Zamita Haïti Media on yo, dossier l'ambo président Jovenel Moïse là, chaque jour qui a passé, il y a quelques bagages qui apparaissent là-dedans, qui est important, intéressant pour apprendre nous. Et il y a un mercenaire colombien qui parle avec autorité, pas bon ici, mon cher, pas bon menti, si première mission est yoté gagné, yoté appliqué, t'as bien plus zé pas bon ici, t'as bien plus réel, kay makourel pas bon ici, et depuis ces affaires pouvoir, nek bon ici yo, yo pousse griffe et yo capable de faire n'importe bagay qui paraît d'évangile. Maintenant, pour nous abonner, commenter, partager, tout à clic suffit pour permettre à la chaîne Haïti Media Online, vendre ses pieds ou vendre, et ou même pour capabilité en papier, ben dans l'information, plus qu'on connaît le plus clair que moi, que en matière d'information, nous c'est numéro 1. Bonjour, bonsoir, fidèle Haïti Media Online, comment nous y est, est-ce que nous sommes? C'est toujours même love là, même plaisir à cap déborder là, quand moi, à chaque fois, ou fait clic ça pour capable coûter. Voir information. Arrestation colombien sa yo, c'est pas un côté à mettre nèg yo pour manger diri pays, pour yo boire gin naturel pour capable faire collette. Mais au contraire, c'est un côté mettre nèg yo pour yo faire parler. Kouè Jacques répète pour yo bay plus détail dans sa gen pouwe avec Zach horrible ça qui fait sous président Jovenel Moïse là. Et gen yon nan mercenaire yo qui pote non Carlos et Giovanni Guerrero qui c'est un ancien officier dans l'armée colombienne, monsieur semblait li pas chez dit tout, nan parole qu'il te gen avec autorité, pas boy situ. Et mes amis Haïti Media on Carlos Giovanni Guerrero, li fait connait avec autorité haïtienne yo que mission te gen te vin changer parce que première mission c'était pour wete la vie tout monde qui nan kay président Jovenel Moïse. C'est ça ou te bayo comme principale mission, mais après un petit chita parler qui est ti réunion qui t'est faite. Yo te fini pas accepter, c'est celle président Jovenel Moïse pour yo touye. Mais c'est Guerrero, li fini pour le faire comprendre, yo tap choisi yo pour mission 1, mais ça yo te fait comprendre, yo te dit yo que c'est un monde important en pile dans politique en Haïti que yo pral fouke, yo pral mare koue krab. Yo pa jam konnen si c'était yo mission pour alou comme ça, yo te gagné sous dou yo. Zami Haïti Media on yo, après parole ça, m'a dit nous c'est long monsieur Guerrero qui a parlé, li fait konnen parole arrestation t'a pral changer. Des semaines avant assassinat, côté yo te di yo te gen pour touye tout moun kay président Jovenel Moïse, et même monsieur Carlos sa, selon Jean, monsieur parle avec autorité haïtienne yo, li fait comprendre li pas d'accord pour te wete la vie tout moun sa yo. Et puis yo te vin jwenn yon entente pour touye seulement président République la. Guerrero fait comprendre li avoue à clair que li même li te entré en dan kay président Jovenel Moïse, mais le patal trois fond non, li te rete bo cuisine nan. C'est là qu'il te positionné, mais li bay tout non tout nèg ki te entré en dans chambre président Jovenel Moïse pour t'alouete la vie président nan façon en pile nan nous getan konnen et nous déplorer Zak Sila qui fait kay président. C'est comme ça mouche sa li même li te parle avec autorité haïtienne yo, mes amis Haïti Media on yo, ça important intéressant pour me faire nous konnen là. Nous tout konnen se Badjo li même en tant que haïtien qui te bay l'ordre pour ete la vie président, et par la suite président li ta pral recevoir yon douzaine katouche nan koli. Zami mwen yo, assurément nous connaît que nèg les Badjo ça, nous connaît qui bol tap travail dans pays d'Haïti. Même m'a dit nous tous amis mwen yo, jusqu'à présent monsieur li dans l'air mettait avec un paquet d'autres mercenaires colombiens qui dans capitale là là, assurément pas pral di yo libre non, mais yo pose un chat peint en chal calis. Mais m'a demandé est-ce que effectivement gen yon volonté bon côté PNH là, nèg yo mais gen dévouement pour capable chercher nèg ça effectivement, parce que nous ouais yo juste contenté yo nan mettait avis de recherche même pas ouais aucun effort qui déploye pour marcher pour ta connait côté Nexayo. Parce que Haïti souvent dit c'est un pays côté on plame qu'il y a pas mon besoin là ou pas fouti jouen ni. Mes amis Haïti Media on yo, ça important intéressant, moi même ça passe dans tête moi obligé partager là avec nous, plus que Badjo mettez avec tout mercenaire colombien ça yo, l'autre monde encore qui dans complot là qui li pas fait kounya la fête demain quand même, parce que y a mari Nexayo et on connait yo pas pour l'autre monde, c'est pour PNH la ke yoye, parce qu'il y a Mario dans cadre assassinat ça. Est-ce que Nexa ou même yo pas tout appliquer formule qui dit chocho net là? Ça veut dire qui ça? M'pa vle Nexa ou même, puisque yo getan pa gen kè, si nous est face au cabinet président, n'a comprendre Nexa ou quel est le prendre ou ta pas faire action ou yo gèle te bre Florida, m'a comprendre rien. Mais fidèle Haïti Media on yo, m'a demandé à clair pour Nexa ou même pour la police dégage pour mettre Jean-Jacques, mette avec population haïtienne nan pour fouke, parce que m'din déjà Nexa ou même yo pa ket sans kè ke yo capable appliquer formule chocho net là, sortant
tande gen plus moun ki kapab tombe nan la République. Mes amis Haïti Media on yo, nous konnen Martine Moïse même li ici et j'aime souvent dire c'est mine information y a bien besoin pour censer finaliser enquête là qui t'est en main pour konnen vrai coupable parce que Martine j'ai pas de bandé oreille li pas de gen coton là-dedans. J'aime te dire parce que konnen a clair, on comprend moun ki t'est nan kay président et c'est tout moun ki t'est entré en dans chambre la kay li. Zanmi Haïti Media on yo, kèm pa on ti jan trop sauté non parce que moi c'est un paquet américain qui responsable sécurité madame lan kap veye kap voye kakal kap voye sous madame Martine Moïse. Même dit nous il faut que Martine ni même li garde côté là met pied parce que m'pa bon menti pays d'Haïti nèg yo même yo méchant vrai même j'ai l'autre date dit depuis nan Guinée nèg ap trahi nèg il faut que ou capable veye côté ou met yo gen coup de poudre gen poison gen l'autre yo qui n'pa besoin cité et nous connaît ou même ou son grand timoun ou connaît tout ça qui bon et ou important en pile pour permettre Maou li même capable joindre justice suite avec Zak assassinat ça que yo fait sous li. Zanmi Haïti Media on yo l'autre détail l'autre information que m'pral partager avec nous là gen un journal colombien qui fait connait ancien chef IGPN nan qui pote non Dimitri Erard que nous tout connaît après DCBJ te fin dans des mouchia yo te jugé le bon pour te placer en isolement parce que monsieur Babomati semblerait-il que même monsieur senti cri mais ta nan san président Jovenel Moïse mais selon journal colombien ça li fait connait mouché ça l'aller dans pays Colombie 7 fois pendant 3 premiers mois dans année 2021. Est-ce que nous comprenons cette période là dans information qui m'a partagé avec nous là mouché a pour être capable d'aller dans pays Colombie il était utilisé une faux carte identité pour être aller là ça monsieur t'a fait pour qu'il ait été obligé utiliser une faux carte identité pour être capable d'aller dans Bogota. Zami Haïti Media on yo m'a dit à clair nous grand timon nous connaît tout ça que n'est pas boy si toi même capable faire si monsieur pas dans le bagage qui on pour été obligé parti sous yon faux 4 on prend sous yon faux identité bagay yon en pile bagay yon drôle. Est-ce que monsieur effectivement li gen mel trempé nan zak horrible sa ki fait sous président et si toutefois monsieur ta fait m'a préposé question encore qui l'autre monsieur te recevoir pour le faire yon crime comme ça pour te participer nan yon crime comme ça si monsieur utilise yon faux 4 ça veut dire yon bagay démagogie que monsieur ta prégué yon vie bagay que monsieur li même li ta réglé nan pays Colombie et n'a regardé bien tout de suite après dernier voyage monsieur fait et puis par la suite mercenaires colombiens yo t'apral entrer nan pays d'Haïti quelques temps après yo été la vie président. En tout cas m'a demandé avec autorité pa bo ici yo ça y a fait fait le bien fait le propre parce que depuis son monde qui complice nan zak assassinat ça yo supposé pinyo parce que zak ça qui fait sous président malgré qu'on paquet l'autre zak déjà qui t'est fait là moun sa nous ignoré ou mais ouais ça m'a bonne menti n'a veut en haut n'a veut en bas même malgré qu'on est n'a pressé fait enterrement président c'est vrai mais enquête ça même lui supposé abouti tout de suite après la mort maintenant fait d'oval faut checker le tout bon paquet l'autre monde comprendre qui passe mal dans pays ya monde ça important intéressant pour nous capable bayon on regard pour nous capable avancer avec enquête si là zami Haïti Media on yo pendant m'a parler de la mort monde ça bon monde qui vraiment important que nous connaît yo té touyé dans zone Delma 32 massacre qui té fait là c'est Neti et bien Antoine Ducle lui même entièrement a chanté jodi a dans département sud pays d'Haïti zami Haïti Media on yo pas oublier li important intéressant avec pour du Mwenga Haïti qui est à l'école à travers monde là gen zouti gen ban gen zouti à son pomade 100% organique contre capable allonger tolpin là détirer le bali bouge en forme comprendre faire le coup et un combelan. Est-ce que nous comprenons mais seulement pour le mettre c'est gros question qu'a posé et tout ça debout passer régulièrement ou si vous avez un résultat dans moins que 2 mois et gen ban dans amis moi son comprimé qui lié qui fait avec 13 plantes naturelles sans aucun effet secondaire ou juste prend 3 chaque matin dans ses premiers jours problème bec à terre li résoudre rapide et la bonne augmentation dans libido la force chauffée mettons sous ça les amis Haïti Media on yo relé dans numéro qui passé en bas écran li important intéressant capable écrire tout sur WhatsApp pour placer commande et pour capable joindre plus de détails concernant des produits ça que Mwenga Haïti a offert les amis moi yo gen un poste que moi ouais matin là que me découvre poste là gon qui voulait pour moi tout ça fait comprendre mouel de côté là mes amis yo c'est ancien premier ministre Laurent Lamotte qui en pile monde estimé qui était fait en pile gagote dans l'époque pas là monsieur lui-même lui mandé qui est ce qui paye mercenaire ça yo qui est ce qui commandité axa qui fait contre président Jovenel Moïse là. Mon cher bab bon menti semblait monsieur lui-même lui pas de chance tendez monsieur Fortuné youn nan bras droit président Jovenel Moïse dans 4 émission que yo t'ai invité il t'ai fait intervention il t'ai tendé à clair et ça fait des charges selon
infortuné, c'est une nan bagay qui cause yo décharger plus sous président Jovenel Moïse. Vous voulez comprendre ou à comprendre. Les amis Haïti Media on yo, malgré me sou di là, nous connaissons Badio qui était by Lord pour exécuter président, mais m'a dit mouche ça pas gen combat assez. Ou mettre quoi ça m'a dit ya, mouche ça pas gen combat assez pour le taper mercenaire ça parce qu'il y a pile nan mercenaire yo qui était d'accord vini nan zak sa, qui était d'accord et vini nan mission ça dans pays d'Haïti, c'est parce que yo te di yo gen l'argent tout de suite après mission 1, il y a ba au kobyo et nèg yo te gen tan di avec famille yo, certifié famille yo que yo pral gen yon l'autre vie tout de suite yo sorti nan pays d'Haïti ak nan cadre mission que yo te gagné. Final Haïti Media on yo souvle quoi moi quoi même Badjo ça c'est un nèg ka paye malgré nous c'est lui même qui te bay l'autre pour exécuter président, mais souvle quoi moi comme Badjo que nous connaissons son cadre nan ULCC, c'est misé qui bay l'autre pour exécuter président. Souvle quoi gon moun ki nan tête nèg sa li même qui t'a payé. Zami Haïti Media on yo pays d'Haïti tout ça déjà son pays qui vend nous qui pas bon papier et m'dou ça avec les gars de Christian Emmanuel Sanon mi c'est pas gen comme assez oui comprendre pour te capable financer ça ça malgré m'tendé c'est lui même qui t'a pral prend place Jovenel Moïse si yoté arrêté Jovenel à avec lui par la suite mission a vienne changer bon bagaille en pile bagaille drôle zami Haïti Media on yo même dit ça clair suite avec post ça que premier ministre ancien premier ministre Laurent Lamotte lui même li fait m'connais gen en pile dans nous là qui pral bal réponse là dans commentaire pour moi s'il vous plaît même m'a dit nous tout pas jamblier avec application qui pote nos abdi là qui fait spécialement pour vous ou capable download de mettre sur smartphone nous n'importe quoi là que vous avez passé là avec un monde ou t'aimer vendre ni faire photo à poster sous le bouton ton application ou t'aimer ouvrir un business pour une clientèle à l'aide des applications abdi là mon cher c'est meilleure formule qui permet ou faire un pile bénéfice dans business soit c'est majorité monde qui trouve dans quatre coins monde là c'est sous le bouton ton application ça il fait marcher ou t'aimer faire promotion pour tout écrit sous Haïti Media on à commercial gmail.com. Nous qui là, beaucoup de monde qui parle de nous. Et pas seulement parle de nous, non. Colon, on a payé au pic, on a passé plein de jours. Oh yeah. Il y a 7 familles qui disent pas que l'autre monde a pris les personnes dans le pays. 5 familles. Je vais te connaître. Je vais te connaître. Les Brandt, les Maxen, Bidjo Akra, Gosson les Mes. Ils ont dit, à faire pour l'autre monde là. Bon, dis nous même Jasper, on ne va pas venir même. On ne peut pas ça. Ils ont dit à payer mon capteur avec yo 10 dollars haïtiens ou bien 20 dollars par jour. Parce que 2 dollars américains, c'est pas problème. Ils ont dit nous là nous venons. Ils ont dit nous même là nous venons. Nous allons payer mon partenaire parce que nous écrivons en pile. Ils ont dit nous allons quitter pile fatra, tout va en business nous. Oh non, oui. Et bien, eux même, c'est sous pile fatra à faire comme. C'est pour ça aussi, nous ne pouvons pas faire compétition avec eux. Pour ça, le fait que les banques c'est pour eux. De vous qui comme dans banque là où on est. 7 banques en payant c'est pour 7 familles. Wow. De vous combien de dollars, vous connaissez. Wow. Pour empêcher, vous investir, premier jour à le prendre. 10 000 dollars comme ça, eh bien, l'on va passer dans banque là. Vous kidnappez pour un bal. L'argent ça va aller dans la banque là pour faire commerce. Famille, vous passez 10 ans pour la chercher comme ça, il va jamais gagner. Je ne vais pas parler de toi, je vais te dire. Si je ne parle de ça, je suis ministre. Je vais parler de ça. Comment est-ce qu'il est vacciné? J'étais ici aux États-Unis. J'étais au travail. Dans MCI, je suis pas même. J'ai gagné de l'argent. Je suis en train de payer. Je suis en train de me faire un peu de on tient avec nous. Qui sont en train de l'étranger? Eh bien, 5 banques qui mettent ensemble, ils ont crasé. Monsieur, nous crasons banque là, pas de problème. Pour moi, dans la communication, c'est nous-mêmes. Monsieur, il faut qu'on va écrire à Itel. Mais quand tu vois le moto, Sammy, monsieur, tu vas savoir pour être 30 millions de dollars américains. Mais ils ont crasé. Si on t'a crasé, ils ont quitté le marché dans le pays, ils ont arrêté d'abord. Léon Lagel, ils ont tout pas arrêté dans le pays même. C'est pour nous tourner ici encore. Quand monsieur, il a saisi tout bien le terrain, il a saisi tout caille. Et même quand monsieur était ici, il a obligé de vendre pour monsieur vivre. Mais dans qui ça va être ici? T'as dit bien pour nous commencer ça non? Bon, tu as 10 minutes. Il y a un autre pas encore. Comme on dirait là, Jacques, il a une maison, il a une machine, il a une machine. On tient la glace, ça le dit.
Ou vini sous terre, ou vini entrer dans la compétition avec messieurs, avec mon cap bonne machine. Ben moi, et dit, ça va faire là. Eh bien, cette femme, ils ont dit nous qui contrôle le pays, ils ont un réseau pour kidnapper les gens. Mais qu'est-ce que le réseau ça? Ils les prennent. Pas de monde qui connaît. En Paris, on tente d'aller la vie pour nous assister là. Eh bien, je dis, hein, ils sont tout puissants. Il y a plus de pouvoir, c'est eux qui ont ce pouvoir. Quand vous avez créé les Jacqueline, après la machine, finalement, vous avez kidnappé monsieur. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez fait des assistants. Après 15 jours, vous avez fait monsieur dans la cave. Finalement, non, cave. Vous avez fait cave, vous avez monsieur, chalet petit. Le monsieur, vous chalet petit, tout bon. Vous avez le téléphone pour communiquer avec la famille. Il dit, bon, allez de l'autre côté. Venez avec. Ils ont chiqué pour moi la maxine et puis monsieur Baye Koblan. Monsieur Baye 750 000 dollars avec elle. Moi, je ne prends pas de cash. On est bien, mon Dieu. Il y a mon bon temps qui kidnapping. Jacques dit bon, me sauver. Là, il dépose le dit mon cher, il met moi comme moi. Au lieu, Jacques, je veux une Koblan. Qui s'agrippe Jacques? Donc, vous connaissez ça? Il a arrêté Jacques, mais il a pris la première. Quand il a dit monsieur Baye 5 millions pour le laguer. Ça veut dire que je dis qu'il y a deux qualités de kidnapping. Mon qualité de kidnapping, c'est illégal. Laisse les machines officielles qui viennent pour y mettre en nos cas ou bien en nos cas. Ça, c'est illégal. L'illégal, c'est laisser les milices qui arrêtent ou bien comme c'est vraiment tout, bye 5 millions, bye 10 millions. Et bien, ça passe, Jacques. Pendant Jacques la prison, il y a un petit gars à l'étranger, un petit garçon qui est éclairé, qui fait l'université ici. Nous sommes pour avocat et nous sommes avocat ici. Nous sommes venus comme nous voulons, nous ne pouvons pas prendre. Nous n'avons pas pour tout. Nous sommes venus là pour demander des petites lantouilles. Petites lantouilles pour tout. Mais nous sommes venus là pour les Haïtiens. Trois semaines, nous sommes pas bons. Nous sommes venus là pour nous dire à Wall. À Wall, nous sommes avec un Indien. Un Indien est capable d'aider sous besoin de faire business. De vous gagner dans le pays. Nous sommes venus 20 000 Américains, l'achetons une usine et le montons pour Paris. Monsieur produit, on produit qu'elle fait avec Marie, avec Aranso, le fond mélange. Le message de la marché, tout le monde est désolé. Merci, monsieur. Officiel de la date des funérailles de Jovenel Moïse. Ensuite, l'état d'avancement de l'enquête en cours. Alors, on nous dit qu'il y a deux enquêtes qui menées. Il y a une enquête qui menée par les autorités haïtiennes. Il y a l'autre enquête qui a mené par le FBI qui est sur place en Haïti. Non, mais il y a une troisième enquête qu'on a dit. Et enquête qui a mené en Colombie. Et en Colombie, où, et en Colombie, où il y a deux enquêtes qui a mené. Où il y a enquête qui a mené par la presse colombienne. Où il y a enquête qui a mené par la presse colombienne. Enquête qui a mené en Colombie, résultat pas trop opposable à nous. Et mais l'orgue FBI qui souterrain, pas penser que ou mettre. Et vous mettez enquête là encore. Je vais aller à Kenson Lubin, je vais demander chaque moment pour le copier là. Oui, parce que dans l'enquête. Absolument. Ouais, c'est ça. Donc, alors, enquête à mener Colombia, naturellement, résultat enquête ça, capable pas opposer à Haïti, pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Sur le plan géopolitique, pas oublier que la Colombie, c'est un pays de l'Amérique du Sud. Donc, sur le plan géopolitique, enquête que la Colombie mène, pas de gros effet, parce que c'est ça qu'a fait en Haïti. Deuxième élément, c'est que pas tout comprendre ce que tu dis. Pourquoi tu dis pas un gros effet? Qu'est-ce que tu veux dire là? Non, moi je dis que sur le plan géopolitique, sur le plan géopolitique, Colombie c'est un pays de l'Amérique du Sud, donc Colombie pas gagné une influence, pas gagné une influence en Amérique, encore encore moins en Haïti. Alors je vais faire allusion aux géants nord-américains. Donc lorsque le FBI est en Haïti, et c'est pas la communauté internationale, mais c'est quand même et le pays le plus puissant de la planète. Mm-hmm. Et enquête FBI a mené. Donc, capable, décision qui prend à travers enquête FBI, là, eh bien, il est capable d'imposer à Haïti. Alors que deuxième facteur qui fait la Colombie pas trop bien placée dans le cadre d'enquête, ça, c'est que la Colombie est aussi partie. Oubliez que, jusqu'à preuve du contraire, et les assassins de Jovenel Moïse, en grande partie, sont des Colombiens. Il serait des Colombiens. Donc, pour ces deux raisons, sur le plan géopolitique, deux, par rapport au fait qu'ils ont parti dans la question, donc, enquête, il n'y a pas grand-chose qui a fait
en termes d'impact en Haïti. Mm-hmm. Donc, oui, nous pas besoin de capitaliser sur ça. Alors, ça me devrait dire. C'est mais n'empêche que vous avez deux enquêtes. Attendez. Ou bien deux enquêtes mm-hmm. qui sont menées par la Colombie. Ou bien enquête qui sont menée par les autorités colombiennes. Mon bon enquête tout qui sont menées par la presse colombienne. Et la presse colombienne, en particulier, ou à regarder cette sortie de ce journal, Caracol, eh bien, c'est jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui ont alimenté en pile bagaille dans le pays d'Haïti à un point tel que hier, où ouais, que c'était une question qui était pratiquement mettait le premier ministre dans le dos au mur. Et, ou bien et Claude Joseph dos au mur. Oui. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas capable de négliger ou minimiser l'enquête journalistique de la Colombie. Non, mais pas oublier, Marcel, donc, nous avons une approche à caractère géopolitique et mettez en exergue le fait que la Colombie est partie prenante. Mm-hmm. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est des Colombiens qui ont dit qu'ils tuent le président. Donc tout ça fait, deux aspects, ça fait que. Mais ce n'est pas, pas même impact lorsque le MVI a été conclu. Ayons éléments dans le cadre d'enquête, ça, c'est pas même bagaille quand même. Mm-hmm. Alors, par contre, dit que, alors, moi, ouais, que il y a des arrestations qui sont faites, il y a plusieurs arrestations qui sont faites, des personnes recherchées, interdiction de départ à profusion, en veux-tu, en voilà, au moins une quinzaine de citoyens ciblés, dont un ancien sénateur de la République. Donc, moi, pensais que, alors, ça qui est malheureux jusqu'à présent dans l'enquête, là, c'est que ce sont des autorités politiques qui conduisent l'enquête jusqu'à date. Et nous n'avons pas d'un confrère avocat dans le Port-au-Prince, l'idée est fondamentale que l'autorité politique yo, ça va effacer yo, pour permettre que l'autorité judiciaire yo, prenne le relais. Parce que là, et lorsque ce sont les autorités politiques qui n'ont pas avancé dans le cadre d'enquête, là, on a un petit problème de crédibilité. Par exemple, mon ami, hier, qui dit, ah, et mon cher, faut pas trop critiquer, oui, faut pas trop critiquer demain samedi, je ne pas, ah. Moi, j'ai pour une loi critique, et puis ils ont mis non, on va dire chercher, oui. Pas que ce soit bon. Le fait que c'est des autorités politiques qui ont lancé mandat, qui ont mené une question, et ils posent un petit problème. Ils leur pour que. Alors, la DCPJ, c'est un OPJ qui dépend du commissaire du gouvernement qui est le chef des OPJ. Ils commencent leur pour qu'ils permettent que le parquet de Port-au-Prince. Fait suivi dossier pour dossier aller dans le cabinet d'instruction. Parce que tout ça n'a fait pas une faire bien pour ne pas avoir l'impression qu'il y a violé les droits de l'homme, etc. Mais, il est fondamental que la société a connaît qui est-ce qui entre la caillou président qui t'a dormi dans le cabane et qui mettait fin à la ville. Ça, fondamental. Parce que je dis, hein, et dynamique, ça, réalité, ça, montre que personne ne monte pas en sécurité. En Haïti. Alors, donc, c'est ça, donc, c'est fondamental que le dossier a géré exclusivement par le commissaire du gouvernement. Il faut que le commissaire du gouvernement, c'est pas une autorité, soit dans la primature, soit dans la police, soit dans le ministère de justice, qui a dit, ah, lancez mandat derrière tel monde, mettez interdiction de départ derrière tel monde. Il faut que le commissaire Bedford Claude, qui est un ami personnel, faut que monsieur mette console dans ta et lui, pour qu'il ne doit pas se laisser influencer par les autorités politiques. Pour que le travail là qu'a fait. Par exemple, il y a un enfer qui te paraît étonnant. Pour moi, comprendre que y a un président de la République assassiné, ou beaucoup de gens qui sont en sécurité président, ça veut dire des gens qui étaient responsables pour protéger le vie président, et puis des personnalités politiques qui sont en opposition ou pas, qui ont provoqué, soit parce que ça a été fondé dans la presse. Non, Bedford, justement. À mon humble avis, on aurait pu les auditionner aussi, on aurait pu les interroger aussi, mais d'abord, ceux qui avaient la charge d'assurer la sécurité du président. Oui, mais jusqu'à présent, il y a des mesures conservatoires et puis gagnant et des mesures d'isolement. Des mesures qui ont été prises tardivement. Mm-hmm. Ça a été plus que 48 heures depuis au Prayo. Alors que Mounsayo, c'est eux qui responsable sécurité président. Mm-hmm. Naturellement, ça ne va pas les dire parce que responsable sécurité président. Mais ils sont les premiers concernés et dans le cadre d'une enquête sérieuse qui a mené cette question. Mm-hmm. Alors, et information qui laisse comprendre que délégation FBI là, oui, mette ouais, dans la résidence président Jovenel Moïse, il a payé sous scène criminelle, il a payé prendre des empreintes, il a payé, etc. Il a fait tout ça pour faire comme spécialiste, comme enquêteur. Mais il y a des informations qui laissent comprendre que, à un certain moment, ils voulaient voir, ils voulaient entendre les Colombiens incarcérés en Haïti et que le gouvernement a opposé à ce qu'ils entendaient, que l'agent FBI entendait les Colombiens. Est-ce que l'information s'est confirmée, Marcel? Non, on ne va pas confirmer.
Je vais confirmer. Juste en d'elle, même j'entends d'elle là, même pas une possibilité pour me confirmer, malheureusement. Mais ça t'a étonné, puisque monsieur Yo, d'ailleurs hier encore, et monsieur Claude Joseph précisait ça, que c'est Yo même qui mandait à ce que FBI rentre dans l'enquête là. Donc, pour qui raison, pour t'a opposé, puisque ces Colombiens font partie des éléments importants. Même archi important pour enquête là, donc bah, comment on est capable d'opposer à ça? Donc c'est quand même des rumeurs jusqu'à présent qui n'est pas fondées. Bon, moi-même, je suis là-dessus. Malheureusement, je demande des fondements à M. Francis Xantus, qui c'est secrétaire d'État communication gouvernement. Je demande le bon de fonds parler matin, hein, mais il était dans l'incertain, mais il confirmait que justement, il n'est pas capable de parler matin. Hein, ça ne t'a pas le permettre que nous gagnions l'heure juste justement sur question ça. Oui. Alors, Peggy, ça me devait dire tout à l'heure par rapport à ce que tu dis pour la Colombie, parce que il y a des gens qui déjà réagi qui, par rapport à ça. Moi-même, je voulais juste attirer l'attention, mon yo, sous enquête journalistique. Pour qui raison que je dis ça? Parce que il y a un auditeur qui réagit pour dire que le fait que crime jusqu'à présent, il y a des Colombiens qui mourent et qui arrêtent qui dans le pays, et il y a des confirmations attestant que de deux côtés, ça veut dire que ce soit en Colombie ou ici, que tu as gagné des Colombiens qui participaient. Non, et dans le crime, non. Ça t'a sous-entendu que journal là, pas capable d'objectif. Par rapport au fait que, il y a moun même moun qui parlait de conflit d'intérêts. Donc, moi-même, je ne connais pas, mais moi-même, je m'a dit. Deuxième aspect que je t'ai mis en exergue. Non, je parlé de l'affaire géopolitique. Ensuite, je t'ai dit que, par rapport au fait que des Colombiens seraient impliqués dans ce crime crapuleux, odieux et lâche, barbare même. Eh bien, yo, ça c'est jugé parti. Non, donc, c'est une mauvaise appréciation. Non, bah d'accord, c'est une très mauvaise appréciation du travail du journaliste. Parce que Noticias Caracol, m'a défendu, non? Mais m'a pas le chita sur le fait que c'est des Colombiens et que des Colombiens participent dans le crime, que ça pral fait que yo pas objectif. Parce que pour moi-même, je pensais que, et d'ailleurs, et l'histoire prouve nous, que même aux États-Unis, il y a des enquêtes qui ont mené, que FBI a échoué et que c'est les médias aux États-Unis qui permettent qu'on gagne données précises sous enquête là. Nous sommes capables de prendre plusieurs enquêtes et si nous prenons par exemple, puisque j'ai parlé de la mort d'un président, jusqu'à présent, les États-Unis qui viennent faire enquête là à travers FBI, imaginez, ils ont beaucoup de choses à dire sur la mort d'un président qui jusqu'à présent n'est pas jamais capable de dire qui est-ce qui tue elle. Donc ça veut dire que, et souvent, côté que les policiers, tant que FBI ont échoué, non enquête, et bien des journalistes arrivés porter la victoire, ça veut dire arriver jouer une coupe à bio. Donc moi-même, je ne suis pas prêt, je ne suis pas fait en tant que journaliste, je me fais à partir de l'histoire. Moment. Que souvent, il y a des gros scandales en dans le pays, que ce soit crime ou autre. Et moi-même, j'ai été témoin, par exemple, au Canada, de scandales des commandites, qui étaient impliqués tout en gouvernement, que ce soit au Québec ou au gouvernement fédéral. C'était grâce aux médias qui te permettent à ce que la population était au courant. Et par exemple, pour gagner le scandale de Watergate aux États-Unis, c'était encore grâce aux médias qui te permettent que tu es au courant de tout ça. C'était parce que le président Nixon a du pouvoir. Exactement. Donc ça veut dire que je trouve que c'est très réducteur même de penser que le fait que Colombien yo. Que médias sont médias colombiens et que les Colombiens qui participaient, ça capable de faire que les médias pas objectif. Donc, je ne pense que nous devons aller là. Au contraire, l'histoire prouve nous, et on prédit encore, que les journalistes sont souvent meilleurs enquêteurs que même et M. Sao. Ça veut dire M. Policier. Bon, de toute façon, là, on a un deuxième aspect que moi, mettant en exergue. Mais mettons le premier aspect qui c'est un aspect géopolitique. Non, mais est-ce ça ne me pas comprendre. Est-ce qu'il y a une enquête de la Colombie, Antoine Marcel? Est-ce qu'il y a une enquête de la presse colombienne ou du gouvernement colombien peut s'imposer en Haïti? Non, non. OK, il n'y a pas fait qu'un impact. Par contre, une enquête du FBI, c'est une enquête du gouvernement américain. Une enquête du FBI, c'est une enquête qui implique Washington, hein, qui est l'administration en place aux États-Unis. Donc, c'est une enquête qui est à même, et dont, c'est une enquête dont les résultats peuvent s'opposer envers et contre tous. Non. Là, nous aspect géopolitique de la question. Oui, mais par contre, okay? Oui, mais FBI a été qu'il doit enquête, après l'enquête, FBI a dit bon, il y a telle autorité haïtienne, il faut plier en bas côte selon l'information que nous gagnons. OK? Selon révélation que nous joignons, selon l'information que nous gagnons, il y a telle autorité haïtienne. Quel que soit l'an que l'autorité a travaillé, FBI est capable de faire suivi. Est capable d'arrêter. C'est ça que je voulais faire comprendre. C'est ça que je mettais l'accent sur la géopolitique. En ce sens, d'accord, ça m'avait. Sauf que maintenant, je dis, en prenant un élément qui est fondamental, et même les FBI, les États-Unis, ont comme ça, en gagnant l'opinion publique. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément vrai que le fait que FBI conclue une enquête et que qu'il convainque l'opinion publique. Là. Parce que je dis, l'opinion publique a ce qu'on appelle, par exemple, les médias sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier.
que l'avènement de l'Internet, qui ça le fait? C'est que l'ibaille à la population un pouvoir. Et c'est ce pouvoir, à une époque donnée, qui était contrôlé à travers la presse conventionnelle, que je dis à Ovin, pas qu'à contrôler, puisque les médias sociaux, c'est tout le monde qui souligne. Donc, c'est là que je dis que certes, FBI est capable de conclure une enquête. Mais la première chose, c'est qu'il faut que FBI est capable d'expliquer comment, justement, de point de vue géopolitique, Haïti qu'on considère comme l'arrière-cour des États-Unis, et les lourds étaient en plein cœur de ce qu'on appelle la doctrine de Monroe. Est-ce que nous capables, et je dis, pour parler d'un crime, un crime à un tel niveau, il s'agit du président de la République, considéré à une époque donnée comme l'allié même du gouvernement américain. Ça veut dire que si l'on prend les actions de Jovenel Moïse en ce qui a trait à, par exemple, Venezuela, c'est un allié du gouvernement américain. Et en plus, regardez bien, pas gagné que Jovenel Moïse dit que l'IPA soutenu par le gouvernement américain, en commençant d'abord par BINU. Comment BINU fait dans le pays, hein? Les soutenus Jovenel Moïse et que Jovenel Moïse massacré comme ça. Donc d'abord, je pense que le FBI t'a doué dit nous, est-ce que gouvernement américain abdomi, est-ce que CIA abdomi, est-ce qu'il n'y a pas contrôlé le pays encore? Comment on fait un tel assassinat qu'il n'y a pas au courant? D'ailleurs, et puis, absolument. Autant d'interrogations. Autant d'interrogations. Et faut que nous pas oublier, okay, Peggy. Donc, on dernier bas m'a pas ajouté. Je dis à la technologie, c'est quoi? Ce qui domine, ça veut dire la technologie, c'est la technologie de l'information et de la communication. Ça aurait les TCIA. Donc, ou bien TIC. Donc la technologie de la communication et de l'information, il rentre dans tout. Ça veut dire même à distance, ou capable aujourd'hui à faire une opération. Ça veut dire que ce soit dans la médecine, que ce soit dans n'importe quoi. Donc ou bien des satellites qui sont des toits, qui capables avec facilité, avec rapidité, déterminer tout bagarre. Ou t'es ouais comment négocié tu Ben Laden. Donc ça veut dire que avec les drones, avec tout. Donc ça veut dire lorsqu'on pays, qu'au voisin, qu'on dépend de l'île, ou dépend des États-Unis de presque tout. Haïti dépend des États-Unis de presque tout. Tout à l'heure nous parlions de coronavirus. L'on a regardé qui ça, ou bien 500 000 doses qui rentraient de vaccin Moderna. Premier pays qui baroule, c'est les États-Unis. Et il rentrait dans le cadre du programme COVAX. Donc, ce qui veut dire que nous sommes totalement dépendants des États-Unis. Mais comment? Oui, comment les États-Unis pral dire que pendant ce moment, au moment, ça veut dire tout système de communication États-Unis a été bloqué? Jovenel Moïse n'a pas fait qu'un appel du tout. Ça veut dire tout système de communication, ambassade américaine, il y en a plus gros ambassade. Qui avait parti des appels. Non mais attendez, il y en a plus gros ambassade qui gagne dans zone là, presque dans le monde. Et puis pour dire que Jovenel Moïse mourit là, Jean mourit, et puis c'est maintenant qu'on fait des enquêtes, on n'était pas au courant de rien, ou bien pas rien qui filtrait. Et puis ce qui est drôle, les autorités qui l'a, par exemple hier, la conférence de presse là. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Moment, vérité. C'était une conférence de presse de la honte. C'est pratiquement de la honte. Moi-même, avant la mort de Jovenel Moïse, n'étais capable, ou t'es content de mon micro, m'a pas encouragé des jeunes pour qu'ils soient capables de rester bataille dans le pays. Mais je veux dire, m'a pas fait encore. Parce que ça fait m'a pas fait encore. Parce que moi, j'ai envie d'être porteur d'un message de lumière, de force, de sagesse, même pas capable. Lorsque ceux qui nous dirigent, c'est comment on a dit ça, c'est la honte, c'est comment on a expliqué ça. Ça veut dire que moi je vais parler tout de suite, mais Gondel et Moïse, gon paquet nèg qui ministre là, c'est des nèg qui étaient fini sur le plan politique. Est-ce que vous comprenez là? Même pas seulement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Jovenel Moïse prend nèg ça yo, li vin mete yo sou moun, li vin mete yo nan visage moun. Donc c'est nèg ça yo te gen moun, yo te gen valeur. Je t'ai dit de démissionner là. M'a regardé hier Pradel Enquès. C'était complètement Pradel Enquès à parler. Et puis, tu cherches de la lumière dans ce qu'il dit ou pas trouver. Qui venait avec un prétexte que la continuité de l'État. Et puis, pour expliquer ça, expliquer la continuité de l'État à travers la présence de Claude Joseph au pouvoir. Mais, mes amis, moment vérité. Traité de fou ou pas, mais qu'on le veut ou non, ça veut dire que pendant Jovenel Moïse t'a pas assassiné, il y a une ministre qui te recevra un appel. Le premier ministre n'avait pas reçu d'appel. Et le directeur général qui a mené l'enquête là, il va recevoir appel. Ça veut dire, Jovenel Moïse, il parlait personne. Et puis il mourit pratiquement comme un chien. Puis deuxièmement, et ça c'est tellement grave, on montre tellement ceux qui nous dirigent, il y en a un plus gros problème que les gens, c'est que n'y a pas contre. Alors, il n'y a pas contre honte. Même si on va être fâché dans la mort de Jovenel Moïse encore, c'est lorsque moi que vous avez un ministre de la communication et de la culture, ou bien un ministre de l'intérieur. Ça veut dire, il faut qu'on comprenne ça, les ministres de l'Intérieur des collectivités territoriales. Ministre de l'Intérieur et collectivités territoriales, l'on va chercher à comprendre qui ça l'a fait. Ça veut dire que son ministre qui occupait de sécurité intérieure, pays.
c'est peut-être son rôle présent dans CSPN. Nan. Pas grand rien qui passe dans le pays que le pas doit connaître. Et généralement, qu'on ouais. Oui, non, mais t'as généralement, qu'on ouais, dans la période d'élection, faut qu'on le comprenne. On voit que post-ministre de l'Intérieur, là, qui est-ce qui qu'on occupe? Parce que c'est lui-même qui, comme machine, qui va le mettre machine élection sous pied pour faciliter que l'on ait une élection. Donc, c'est un ministre très influent. Alors, ministre, ça. Il n'y a pas de cas au courant que tu as une faille dans le système de communication, dans la sécurité Jovenel Moïse. Là. Et puis en plus, côté bagaille que tu as créé pour question. Pour question. Comment ça arrive là quand même? C'est SIN, comment elle est? Ah, un trou de mémoire. Service d'intelligence là. Service d'intelligence là. Le service d'intelligence d'Haïti. Qui sous compte ministère de l'Intérieur? Tout à l'heure, mais combien de millions qui gagnent? Sous le palais national seulement, la primature, combien de millions qui investissent dans la question intelligence? On va demander côté comme ça fait. Oui. Mais pas bien intelligence. Alors, en Haïti, c'est ton caisse noire que monde que titulaire structure, là, structure politique, là, que ce soit la primature ou bien la présidence ou le ministère, eh bien, c'est son combien juste prend. Son combien juste prend qui parle de la question intelligence, effectivement. Et puis, mais c'est ça fait que PIA. C'est ça que le pays a tourné en passoire. Oui. Donc, comment expliquer que des étrangers entrés sur le territoire pays a rencontrent fait en Floride, Yotava. On dit Yotava parce que jusqu'à présent, la vérité judiciaire pour qu'on établisse, c'est des autorités politiques qui ont présenté des documents, qui ont fait des affirmations, mais pour qu'on ait un stade de un jugement contradictoire, côté que la justice capable de conclure à culpabilité X ou Z. Et donc, et puis ça veut dire, tout ça que vous présentez, on nous dit si vous êtes vrai, et puis pas gagner un service d'intelligence qui était même connu que gagner des étrangers qui ont été recrutés dans une firme à l'étranger pour venir commettre un acte sans pareil comme ça. Donc, ça veut dire pas gagner un service d'intelligence qui fonctionnel. Et puis, t'as mon seconde, et parler tout de suite gomba que qui passait dans la société que m'ta aimé attirer attention mon yoso m'ta fait référence au ministère de la communication bien précisé le ministère de la communication et de la culture nous gagnons secrétaire d'état à la communication nous gagnons le ministère de l'intérieur et nous gagnons la police nationale on prend entité ça Jovenel Moïse fin mouri automatiquement gardez bien ça qui passé il n'y a pas une prise en charge de Jovenel Moïse c'est comme s'il n'était plus président. Et monsieur Mounio comprend l'analyse que nous avons fait. Parce que nous sommes des analystes. Et le fait d'être analyste, c'est la capacité d'aller en profondeur des choses et de faire des liens. Il y a plein de monde qui dit que ce n'est pas un coup d'État qui fait. Il y a monde qui dit que c'est un coup d'État qui fait. Mais moi, je vais amener nous vers Sanda Kababrele à travers les images, comment on a justifié le coup d'État. L'absus que Claude Joseph t'a fait, il est vérifié à travers le comportement du gouvernement. Il y a une volonté de la part de ce gouvernement. Et ça fait me trouver que monsieur Yo, c'est vraiment triste ce qu'ils font. Puisque quand pile dans Yo, si Yo retourne sous scène là, c'est grâce à Jovenel Moïse. Parce que c'est des gens qui ne peuvent jamais arriver ministre dans quel gouvernement sérieux. Parce que, bon, pour exemple, pour les photos de Jovenel Moïse qui ont circulé. Alors, le gouvernement dit que pas de capacité pour le contrôler ça. Ça veut dire que le gouvernement pas connaît que, premièrement, Jovenel Moïse mourit la Kaeli. S'il y a pleuvé quoi, le gouvernement compte qui est-ce qu'a fait et qui est-ce qu'a pris disposition pour le lever, c'est le gouvernement. Constat. La police n'est pas capable de contrôler combien de monde qui est dedans. Est-ce que l'homme ne peut pas rentrer sur le cadavre là? Est-ce que l'homme a un téléphone ou bien pas un téléphone? Les cadavres là sortis, il n'y a pas de 10 000 routes que le fait. S'il sorti là, il y a les gens qui disent aller Pax Villa. Ça veut dire pas de capacité pour contrôler Pax Villa. Pax Villa sorti mon autre côté, il dit que ce n'est pas eux-mêmes qui prennent photo. Ok, ce n'est pas Pax Villa qui prend photo. Maintenant, le cadavre là retrouvé le qui côté? Il est arrivé au côté, nous avons scanner, nous avons autopsie, nous avons toute qualité de bagage. Ça veut dire combien de routes cadavre là fait et que ni ministère de l'Intérieur, ni ministère de la Communication, ça veut dire le ministère de la Communication, j'avais posé la question une fois à Franz Exantus, est-ce que le ministère de la Communication et secrétaire d'État à la Communication occupent uniquement de porter parole? Ça veut dire que devine parler. Mais la communication dans ce pays n'est pas contrôlée. Qui est-ce qui contrôle la communication dans un pays? Ça veut dire la communication gouvernementale, l'image du gouvernement, l'image de l'État, qui est-ce qui contrôle? Est-ce que c'est Conatel? Est-ce que c'est institution privée? Oh, qui est-ce qui contrôle elle? Donc, Jovenel Moïse mouri, il y avait... Conatel pas même qu'à réguler question fréquence en Haïti. Il y a une fréquence à monter sur fréquence sport. Conatel pas même du courage pour les réguler question ça. Donc, Conatel pratiquement inexistant en fait. Non, mais je pose la question. Maintenant, Jovenel Moïse fin mouri.
comment faut-on le faire circuler dans condition ça? Ça veut dire que le gouvernement a choisi volontairement de ne rien contrôler parce qu'il n'y a aucune façon d'expliquer ça que fait qu'il n'y a pas qu'à contrôler l'image. Ça veut dire que si on mounan dans, si c'est l'État qui décide pour le dire, mais qui institution qui va le faire autopsie, mais qui institution qui va le faire scanner, mais qui côté le bras, mais qui monde qui souligne, mais qui spécialiste, l'État supposé qu'on tout le monde ça. Si le monde ça a un téléphone cellulaire, il a fait photo de la gueule dans la rue, l'État supposé qu'on est. Non seulement l'État va empêcher sa fête, les fêtes ou pas de Ken, rien l'État dit. Monsieur, fait une conférence de presse, et ça fait me dire que c'était vraiment une conférence de presse de la honte, puisque il y en a un premier sujet qui a été abordé, qui sont fautes graves, graves pour plusieurs raisons. Les graves parce que c'est le président de la République, son image fait le tour du monde, qui montrait les Haïtiens comme des massacreurs. Donc ça veut dire que l'État... Oui, absolument. L'État... Exactement. Le président Préval, de Tibranca... Et exactement. Donc, après ton décès. Donc maintenant... Mais tout ça, Marcel, tout ça, c'est le fait que... C'est exactement ça que je dis. Hein. Les autorités politiques doivent faire place aux autorités judiciaires dans le cadre du suivi de l'enquête. Non, et par exemple, question autopsie, Marcel. Question autopsie. Depuis qu'il y a mort violente, moi-même comme avocat, je suis en formation en médecine légale. Depuis qu'il y a mort violente, depuis qu'il y a mort brutale, quel que soit citoyen, sous demande d'autorité judiciaire, en particulier juge d'instruction pour la manifestation de la vérité, sur les conditions du décès, etc., eh bien, autopsie doit faire. Mais en réalité, ce n'est pas l'autorité politique qui t'a dû ordonner l'autopsie. C'est la justice qui t'a dû ordonner. D'où la nécessité que, par exemple, toute mesure que le parquet apprend actuellement, il n'y a pas de mesure politique, puisque le parquet est pratiquement une autorité subalterne de la primature et du ministère de la justice. Mais si c'est un juge d'instruction, si on te permet que le dossier aille dans le cabinet d'instruction, le ça, tout ça que tu pourras le faire dans le dossier, tu pourras entrer dans le cadre de, comme si tu pourrais que son mesure judiciaire. Mais d'ailleurs, ou pas dans le délai flagrant encore. Et si on prend question état de siège qui prend, ça me dit pas si nous bien expliqué qui sa constitution avec la loi dit en matière d'état de siège. État de siège, c'est le pays menacé par invasion de l'armée étrangère. OK? Ou bien une menace d'invasion, ou bien une invasion. État de siège, c'est le capable de gagner un groupe à l'interne, hein, dans le pays, qui menace la stabilité de l'État. Ça veut dire, par exemple, un groupe armé qui est entré en rébellion contre l'État. Donc, on est capable de prendre une mesure d'état de siège qui ne peut pas durer plus que 15 jours, côté que des pouvoirs un peu étendus sont confiés à la police et à l'armée, surtout à l'armée. Et le ça, même si on fait acquisition, il n'est pas obligatoire qu'il y ait un juge de paix là. Et il y a une manifestation état de siège là, en termes d'expression. Et c'est, Mdava dit, c'est une restriction qui portait sur les libertés individuelles. Mais ça qu'a fait là, Livin Tankoum Dadjo, mandat en veut en voilà, et appelant c'est passé par là, parquet après mesure interdiction de départ. Mais étant donné les crimes qui fait là sont crimes qui sont extrêmement graves et qui doivent révolter conscience toute société, hein, ça fait que les yeux qui teignent sous ensemble de violations. Mais son dossier qui est déjà amené par un juge d'instruction. Madame, je vois autorité politique, chaque 24 heures, elle dit comment enquête a pu marcher. Le Sahara, il paraît très peu crédible. Mais en passant, par rapport à l'accusation journal dominicain et journal colombien Marcel, parce que nous disons que le Premier ministre Claude Joseph démenti allégation ça. Moi, je vois que la police, direction générale de la police sortit une note pour dire que dans tout le monde, il n'y a pas de révélation qui t'a laissé comprendre que le Premier ministre t'a impliqué. Donc, il croit que c'est une diversion qu'a faite pour bouiller piste enquête là. Et que le Premier ministre n'a pas quelle implication dans l'amour président Jean, réseau social avec journal colombien APC, faire comprendre. Alors, Peggy, il faut qu'on dise que ça, c'est une réaction tout à fait normale, que ni la police, ni Claude Joseph, ils ont réagi comme ça. Maintenant, et parce que nous-mêmes, objectif par nous, c'est amener la population à une certaine compréhension des choses. Je dis, je pense que un fait certain, c'est que, pas jamais ça dans quel pays, seulement les bons coups d'État, que l'autorité qui sous place pendant le président Mouria, il aurait été au pouvoir. C'est seulement dans le coup d'État que moi ça. Vous mettez retracer toute l'histoire de coup d'État à travers le monde. On prend tout près là, Pinochet, elle a fait coup d'État pour AND. Et au Chili, n'importe qui coup d'État qu'on prend, on voit que les autorités qui restent en place, ce sont ceux qui ont fait coup d'État.
Mais dans le cas contraire, généralement, qui soit pour eux, on pourrait que tout gouvernement, tout monde est toujours victime. Mais... Eh bien, justement, analyse au fait, moi, en grande partie, moi d'accord avec vous, mais ça mettait en exergue l'inexistence des institutions. Et pas oublier, c'est qui ça que tu as pour assurer le pour assurer que ça gagne comme configuration au niveau de l'équipe dirigeante, ça va changer en raison du drame qui vivait. Hein? Eh bien, c'est les institutions qui étaient pour assurer la relève. C'est les institutions qui étaient devaient venir au devant de la scène pour prendre des décisions. Mm-hmm. Mais je dis, hein, le CSPJ est dysfonctionnel. Je dis, hein, le Parlement est dysfonctionnel. Naturellement, il y a 10 sénateurs qui étaient. Nous allons venir sous question Joseph Lambert. Est-ce que Joseph Lambert accédera à la présidence de la République, etc. Donc, mais l'on a parlé, on a pris que pas une institution créée pratiquement. Mm-hmm. Donc, est-ce que Mountayo, c'est eux-mêmes qui te disent, ah, m'a fait bac. Et là, où t'as va faire bac, tout, c'est qui est-ce qui te prend la relève, qui est-ce qui te parle assurer le que relève-là assurée. Ça veut dire, bon, alors il y a de nouveaux dirigeants qui accédaient à la direction de l'État. Donc, son pays qui pas une institution, parce que voilà pourquoi, dans tout pays, côté de la démocratie, institution que vous renforcez. Mon pas qu'à dire le bagage seulement. Ou dit le bagage institution, d'accord, mais il faut que vous dites tout que le bagage moun. Pardon? C'est pas seulement institution que le bagage. Le bagage moun. Voilà, Dem? Non. Naturellement, institution, c'est moun qui a dirigé eux, mais pas une institution qui pourrait la relève. Si le Sénat, pas le Sénat, si le Parlement haïtien fait exister des fonctionnels, Jean Tadoyen, OK, si le CSPJ, co-dépositaire de la souveraineté nationale, l'instance d'administration de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire, existait, c'est pas tapé magaï, Marcel. Donc je dis, mon wap vik patadoué là, moi comprends que vous patadoué là, vrai, mais en fait, admettons que vous n'êtes pas là, qui est-ce qui te prend le bail le temps? Mais ça, c'est une façon, ça, c'est une façon de justifier justement ces arguments ça que pile mon utilisé dans même le gouvernement, même le gouvernement l'utilise. Même le gouvernement l'utilise. Ça veut dire du que c'est comme si à force de le dire, nous venons rendre que son vérité liée. Ça veut dire que forcément, fort que monsieur Kilao t'a arrêté pour t'assurer. Et c'est comme si pour assurer la continuité de l'État. Mais assurer la continuité de l'État, dans quelles conditions? Moi, c'est que c'est là, c'est là qu'il faut poser la question. Dans quelles conditions que assurer la continuité de l'État? Dans quelles conditions? Mais ça me pensait en toute franchise. Le jour de l'assassinat du président, alors puisque l'institution ne pouvait pas exister, le premier ministre nommé était un petit peu introuvable, ne sachant pas ce qui était en train de se produire. Donc, c'est quelqu'un qui s'était mis à couvert. Mais c'est ça me comprend. Maintenant, pour moi-même, moment, vérité. Si j'étais à la place de Claude Joseph, moi, t'as fait ça le faire. Mais le jour même, nous t'avons présenté en conférence de presse pour demander société à les différents secteurs de la vie nationale, décidez vite. Et décision que t'as sorti, il y a même si décision qui est sortie dans 48 heures. Moi-même, t'as cédé à décision qui est sortie. Vous sauriez samedi, me dit que Claude Joseph avait la possibilité d'être un grand homme. J'aime bien tout ça. Oui, absolument. Oui. Absolument. Mais c'était exactement ce que j'avais demandé. Ça veut dire que de montrer cette hauteur que nous pas gagné dans le pays d'Haïti. Mais là encore, il faut poser la question parce qu'il faut pas oublier que les autorités qui sont en place, ce sont les mêmes autorités qui étaient là. C'est eux-mêmes qui étaient là, les Jovenel Moïse était président. Et c'est eux-mêmes tout que Jovenel Moïse était relayé que vous pas répondre. Faut qu'on ouais vérité parce que Jodia non est-ce que le gars dit Jovenel Moïse qui relève pas répondre est-ce que nous on non, mais, on relevé non, mais, que, de OK va mettre le conditionnel c'est eux même que Jovenel Moïse t'a relé et que yo pas t'a répondre donc mettez le conditionnel mais là on comme petit bémol non parce Jovenel Moïse il est impossible en difficulté il est totalement impossible on peut dans le moment que président en difficulté là on pas penser c'est autorité politique qui est plus important pour le relève. Je pensais que dans le moment que l'insécurité, c'est le monde qui a assuré la sécurité le plus important. Ça dépend. Léon Charles, ça dépend. Dimitri Vogue. On prend tout le monde. Passer à l'action, le monde qui est capable, non, à la seconde, passer à l'action dans la logique pour protéger la sécurité. Mon cher, mais où est l'autorité politique subalterne? Mais ça va dépendre. Non, ça va dépendre de. Il parlait des chefs du SP, du CATSIM. Donc, l'autorité politique, ce n'est pas le monde qui est plus important. Parce que là, on ne peut pas remplir le temps devant. Par exemple, on tend des brisames ou bien on tend des n'importe où. Le monde pourrait l'air, c'est exactement le monde qui capote au secours directement. Ça dépend.
ça dépend de dans quelle situation qu'on est, ça dépend sous relon premier, il va répondre, ou relon deuxième appel la passe, il va répondre, ou relon troisième, ou relon quatrième, on peut reler autant de monde puisque yo, son gouvernement qu'on gagne, il y a toute une connexion, on doit reler yon ou joindre et puis relon l'autre pour. Eh ben non mais pas bon retracer jusqu'à présent les autorités. Alors les autorités jusqu'à présent pas dit nous si on retracé des appels de Jovenel Moïse. Est-ce que t'as un appel qui t'est fait? Est-ce que pas de appel? Ça veut dire que au niveau de communication nous pas rien. Il pas dit ça. Mais ça dit concevable. L'inconcevable qu'on président de la République. Oui, le juge d'instruction qui sera en charge de l'instruction du dossier pourra faire ce travail. OK? Donc grand pile travail qu'a fait là à Marcel par les autorités politiques. C'est des travaux, c'est des actions qui t'adouent et faites par le cabinet d'instruction. Et moi, je dis déjà, ça a fait hypothéquer, ça a bon influence sur la crédibilité de l'enquête en cours. Mm-hmm. OK? Là, le juge d'instruction décide de mettre interdiction de départ ou bien convoquer telle personnalité politique. Ligue plus couverture que son autorité politique. Parce que l'autorité politique, là, t'es déjà un ennemi. Telle l'autre personnalité, non. Il était déjà un ennemi. Et nous voyons comment nous faisons politique en Haïti. Ou même nous avons une blague, nous faveur, mais dit, ah, et demain si tu veux, il ne faut pas critiquer, oui. Parce que les gens qui ont décidé de mettre n'importe quoi dans le dossier, oui. Ouais, ça a une blague seulement. Mais ça le dit, c'est ça, oui. Donc ça le dit, justement. Donc c'est lui, il a dit ça, mais en fait, ça permet de comprendre donc, que, effectivement, la crédibilité de l'enquête, s'ouvre l'enquête la crédible, c'est pour permettre que c'est les autorités judiciaires qui donnent le temps. Peggy, par exemple, le commissaire. Peggy, bah, rectifie bah, vous, parce que ça est très important. Non, non, tellement, Peggy. Faut que rectifie ça. Bon, dis-toi qui dit que ou t'es dit Dimitri Vob au lieu de Dimitri Erard. C'est très important que ou fait différence. Oui, bon, dis-toi qui écrit qui dit à un moment donné, l'autre parlé de Dimitri, ou t'es dit Dimitri Vob au lieu de Dimitri Erard. Oh, merci en pile. Merci en pile, c'est ton lapsus. Je voulais parler de Dimitri Erard, qui est le chef de l'UNGPN, l'Unité de Sécurité Générale du Palais National, l'une des personnalités impliquées, au premier niveau dans la sécurité, président. Pas impliqué dans l'assassinat, non, impliqué, qui ont responsabilité dans la sécurité, président. Donc, merci à l'auditeur qui a interagi avec nous, c'est très bien. Même qu'il y a un bon monde juste à Paris qui a eu un message d'accord. Très bien, merci. Alors justement, donc la crédibilité de l'enquête, c'est fondamental que l'autorité pense à ça. Donc là, son autorité politique qui a décidé de m'envoyer une invitation, by Boulos, by Steven Benoît, qui te font déclaration sur Magique 9, etc. Donc il y a une série à prix. Mais si c'était le juge d'instruction, alors mon caprio, c'est pas parce que moi je dis Steven Benoît ça samedi. Hein. Et pas faire même pour la manifestation de la vérité, pour lui former conviction, pour le connaître qui suit pour le bailler un dossier, il a décidé d'inviter n'importe qui citoyen. Mais n'a pas rappelé encore que lorsque le parquet invite un citoyen, ce citoyen n'est pas obligé de se présenter par devant le parquet. OK? Et si le citoyen n'est pas présenté, le parquet n'a pas rien qu'à faire. Seul cas que le parquet a lancé mandat d'amener, selon le code d'instruction criminelle, c'est le gagner flagrant délit. Pour en dehors de délai de flagrance, il y a un citoyen qui n'a pas invité, etc., qui nous a dit ça n'a pas intéressé, je suis venu. Et puis, le parquet a fait suivi. Et suivi, a, c'est ou bien un classement sans suite qu'il estime pas qu'il y a suffisamment de matière, ou bien la saisine du cabinet d'instruction, ou bien une citation au correctionnel. C'est ça la loi dit. Mais en Haïti, nous, les commissaires du gouvernement s'amusent à décerner des mandats d'amener en veux-tu, en voilà, dans n'importe quelle circonstance. Alors que la loi dit que c'est seulement le flagrant délit qui a fait ça. Donc maintenant, tout à l'heure, on a parlé là, question autopsie pour y faire, c'est autorité politique qui a géré le résultat autopsie, question interdiction de départ, parce que l'ordre du parquet, ouais, c'est primature à ministère de justice qui a téléguidé le parquet. C'est pas pour te comprendre. Mais si c'était un juge d'instruction qui est réputé neutre, qui est réputé indépendant dans ses décisions, donc l'enquête aurait beaucoup plus de crédibilité. Parce que nous ne pouvons pas permettre nous comme société pour que le président de la République assassiné dans condition ça, que la manifestation de la vérité pas jaillisse. Mais pour que la manifestation de la vérité et pour que la vérité jaillisse, il faut que ceux qui mènent les enquêtes ont la compétence de les mener. OK? Faire preuve de certaine neutralité, mais pour le moins, société a qu'à dire, ah, là, c'est pas politique, non, c'est la justice. Alors, donc, c'est fondamental que vous quittez la justice, non, non, ça, côté que, société a capable de faire, même capable de voyer dossier, non, cabinet d'instruction, et n'est pas décédé, j'y a toujours travail, oui. C'est une commission rogatoire du comité du gouvernement qui a continué et fait des perquisitions, et dans le respect des droits de l'homme, bien sûr. Alors, mais ça me permet de saluer
et un travail que me lit de Edzer Emile, l'économiste Edzer Emile, qui écrit un article et qui titre comme ça. L'assassinat de Jovenel Moïse était prévisible car les limites ont déjà été franchies. Naturellement, dans une lecture de premier degré du titre et d'un point de vue idéologique, il y a un problème avec ce titre-là. Il y a un profane ou bien un partisan qui a peut-être amené à affirmer que l'auteur minimise l'assassinat du président. J'ai bien dit à première vue, un profane ou un partisan. Mais là, on prend recul pour prendre connaissance du contenu article ça, pour rendre compte que c'est un texte magnifique, un texte qui dénote à la fois, je dirais, une main habile, professionnelle et réaliste. Et M. Fonralé, dans l'article ça à Marcel, il dit à Emile, M. expliquait que il a assassiné bâtonnier, il a assassiné des professionnels dans différents domaines, il prend exemple bâtonnier d'Orval, il prend exemple ingénieur Cavé, qui était dans le domaine construction, il prend exemple docteur Paddy, qui était médecin, il prend exemple enseignant par exemple, qui était tué dans un bus, qui était pour le carrefour là, il prend exemple étudiant, il dit Grégory Saint-Hilaire, il prend exemple jeune, élève, tant pour Evelyne Sincère. Monsieur montrait que l'impunité, c'est un cancer et c'est l'État qui entretenu et puis qui choisit de renforcer le gang. Monsieur dit massacre sous massacre, pas dans quel suivi qui fait. L'État vague ton chameau, la vie banalisée, c'est un coup qui a mené au carrefour pour faire comprendre que la mort est un bagage normal. Et puis nous vivons insensibles comme société, nous acceptons n'importe bagaille et puis nous comportons nous tant que animaux. Alors ça, c'est moi qui ajoute. Je voulais dire bravo à Edzer Emile et moi recommander tout professionnel, jeunes universitaires et même acteurs politiques, acteurs sociaux pour prendre connaissance de cet article produit par l'économiste Edzer Emile. Moi, pourquoi j'ai chance à lui? Ça va être ça, lui, M. Kébrozamor. Justement, on va parler de. On va parler de texte, M. Kébrozamor, là, que moi-même, moi, lis, M. Devoyé, pour moi. La succession de feu, le président Jovenel Moïse, une opportunité à saisir. Moi, c'est terme ça, que moi, Rémin, une opportunité à saisir. Effectivement, l'on passait à travers texte, M. A. Ouais, M. Montreau, que surtout cette. Cette obsession de démolir les institutions, sauf faire référence à ça, fait en sorte que Jodia n'a presque pas gagné rien. Et c'est monsieur qui fait me penser justement à Moun qui était venu avec amendement Constitution 87 là. Donc effectivement, si pas de gain amendement 87 là qui a un rapport avec article 149 que nous avons fait référence à lui-même, M. Kébrozamor fait référence à lui-même dans le texte là. Article 149 là, si pas de gagné amendement ça que Ovina avait sous question du scénario yo, pour premier ministre pour remplacer président. Mon cher, nous pas retrouver nous dans situation ça que nous là avec constitution 87 là ça a été proposé. Malgré que nous gain problème dans cour de cassation, ouais ça me dit là avec la mort du président de la cour de cassation, mais on aurait pu quand même parce que article là des bonnes possibilités pour que vous capable plus ou moins piocher jusqu'à se rejoindre monde qui t'a pour remplacer président dans la cour de cassation. Donc ça veut dire que je trouve que dans son texte mais et l'intelligence qui traverse ce texte, mais aussi cette volonté de dire que quand même et les institutions, j'en se dis là, il y a une importance dans la société, hein, tout autant que haïtien. Pourquoi bay tête li et fait tête li violence ça pour que le coin dans l'existence des institutions et travailler à ne pas voir seulement du mauvais dans les institutions parce que l'institution a pour devoir de contrôler les pulsions du citoyen et de l'individu, bien dit pas nécessairement du citoyen mais de l'individu. Donc ça veut dire que le citoyen il déjà compte de voir, il connaît un certain nombre de choses que lui fait. Donc l'institution n'a pas besoin nécessairement à tordre pour que respectons ces deux bagages, mais l'individu est appelé à être contrôlé par les institutions que lui-même encore que le créer que l'endan. Donc c'est très intéressant comme dynamique dans la société. Donc faut ou fait violence sous tout et je dis à toute situation que nous la donnons, c'est parce que justement en Haïti nous ne connaissons que des hommes forts et des femmes fortes alors que situation dans une société normale qui doit fort. La preuve où est-ce que t'es passé aux États-Unis quand au bon président qui vivait qui se prenait pour un homme fort et il rend compte que finalement même l'autre président des États-Unis ou capable aux yeux du monde l'homme fort, mais aux yeux de la société américaine, ce sont les institutions qui sont fortes parce que c'est eux-mêmes qui la contrôlent. Absolument. Alors Peggy, par rapport aux dérives du président, de l'ancien président américain et Donald Trump, ou après que institutions étaient campées debout, ou après que la Cour suprême au monde. Levé même, donc ou après président, obligé pluriel. Donc, c'est institution qui pour fort. Donc, pour qu'a dit un homme dans Donald Trump, s'il t'a président à Haïti, Haïti t'a gardé plus toujours. Parce que président yo qu'a fait ça yon vle. Et côté là, on va pas permettre de passer par la corruption, yon arrive passer. Yon fait ça yon vle, etc. Donc, les fondamentales, voilà pourquoi concept état de droit même.
yo définir comme la soumission des institutions à la règle de droit. Donc, si institution au fond, on capable de gagner démocratie, on capable de gagner état de droit. Donc, moi, salue M. Kebozamo également, qui t'a partagé texte là, même que je n'ai pas pris connaissance de contenu en Marcel. Alors, Peggy, faut que tu aies 5 minutes au moins avant que nous retombions encore dans l'actualité politique pour nous parler de coronavirus là quand même. Hein? Ça, tu vois, et pas de problème en fait. Eh bien, ok. Pas de problème. Donc, on va faire long, c'est juste deux informations que nous oui, non, pas de problème. C'est juste deux informations que nous allons faire, parce que c'est important quand même que nous allons aller. Absolument. Mais avant de dire population, est-ce que Marcel Joseph et Arias Saint-Frère, est-ce qu'ils ont été se faire vacciner? Ah, bon, où qu'on est. Mais c'est sous ça, je vais venir ensemble. Je vais poser une question parce que. Wackenson, vous. Parce que vous voyez AstraZeneca pour vous. Ah, vous voyez AstraZeneca pour vous. Oui, Wackenson, allez. Si causé sous coronavirus. La situation est très grave. Je vous en prie, aidez-nous à vous aider. Chaque jour, dans un moment ça, si à l'FM invité au côté, si causé sous coronavirus, pour qu'on connaisse toute sa autorité, on dit. La point de tout le monde, évitez foule, tant pis. Toute sa cap fête. Nous contrôler frontières là, nous contrôler aéroport, nous contrôler port tout. Et puis comment on peut protéger tout. La technique, la vie, mon nom. La